note adressant les compliments et un mot d'amitié à Snežana Mladenova. On a un challenge difficile à relever pour Belova. Exceptionnel. Se présente Olga Belova. Donc c'est en quelque sorte la deuxième manche entre ces deux gymnastes, entre Eva Serrano et Olga Belova. Première manche a été remportée par Olga Belova tout à l'heure. Absolument. D'un rien. D'un rien, d'une toute petite faute. Toute petite faute de réception du ballon. Position de départ toujours très originale pour attendre le bip de la musique. Eh bien, je n'aimerais pas être à la place des juges pour noter ce match entre Eva Serrano et Olga Belova. Match de haut niveau déjà. Au plus haut niveau, mais pour moi, moins de charme, moins enthousiasmant. Mais ça, c'est tout à fait subjectif. Elle use et elle abuse tout de même de ses talents. J'allais presque dire, ce n'est plus de la souplesse, c'est presque du contorsionnisme. Parce que elle arrive à faire des choses extraordinaires. C'est de l'hyper-souplesse, hein, développer à la souplesse poussée à son maximum pour permettre ses exercices demandés et exigés par cette discipline. Donc énorme travail de préparation physique. Quand on parle de préparation physique, on pense souvent musculation, mais c'est l'inverse. Enfin, pas l'inverse. Il y a beaucoup de préparation physique en tonicité, mais également en souplesse. Ouais, 9,75, 9,85. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que sur l'ensemble des deux manches, au total, c'est une victoire d'Eva Serrano. Oui. 5 centièmes près. Si je me souviens son nom, je n'ai pas le souvenir exact de la note de la première confrontation. La première confrontation entre Eva et Belova, c'était 5 centièmes d'écart et cette fois 1 dixième. Donc si l'on additionnait les deux, l'avantage irait à Eva.